Les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Hungry Lamu. Vous avez été énormément à me dire en commentaire sous la dernière vidéo qu'il y avait une fin secrète qu'il fallait absolument que je teste. Et je me suis dit quoi de mieux que la découvrir avec vous. Donc c'est parti, on y va les gars. Je suis beaucoup trop hype. Apparemment elle est incroyable. Elle est encore plus flippante que la fin du premier jeu. Donc on va découvrir tout ça. Hello Lama, est-ce que tu as fait une bonne sieste? On dirait que tu as faim. Mais oui, mais il a tout le temps faim ce Lama. Il veut grailler tous les enfants du monde. Enfin, tous les fruits. Le pire c'est que là je me dis que les fruits qui sont là les gars, c'est bah, c'est des enfants en fait. Ça, c'est horrible. C'est vrai que la première fois que tu joues, en fait, tu te rends pas compte de tout ça, mais ça fait bader, hein. Quelle belle journée, Lama. Allons trouver les cerises. Ok, c'est parti. En plus, c'est dommage parce que ça commence si bien, le jeu. Regardez, la petite musique chill qui nous met bien. T'étais là, t'as envie de chanter, quoi. Je vous jure, ça pourrait limite être une comptine pour les enfants, en fait, hein. Ok, il faut qu'on trouve les cerises, voilà. Ça va être le pire moment, c'est le moment où on va avoir la banane. Et ça va pas me donner la banane, je vous le dis tout de suite. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ne pas manger la banane? Le lama a encore faim malgré les cerises qu'il a mangées. Oh non, les gars, c'est l'heure de la banane. Mais non, Little Banana, tu pouvais pas t'enfuir! Tu savais que je revenais, je vais te grailler! Elle est mignonne, bah oui, elle est mignonne. Le lama adore les fruits, bah oui, tu m'étonnes, il adore les fruits. Je suis sûr que la banane va vouloir aider le lama. Pas sûr qu'elle va vouloir coopérer, mais bon. Allons rencontrer la banane. Allez, on y va. Ça serait bien qu'on puisse esquiver, qu'on puisse ne pas la manger, quoi, en fait. En plus, elle est trop mignonne, regardez-la. Coucou, petite banane. Hello, little banana. Non, mais non, me gronde pas dessus. Ok, la dernière fois, je t'ai mangé, mais là, je te jure que je te mange pas, ok? Non, m'aboie pas dessus non plus. On dirait que j'avais tort. La banane est égoïste et ne veut pas aider le lama. T'aurais mieux fait de m'aider, je suis désolé. Mais non, aboie pas, t'empire ton cas, banana. Et voilà, le lama est fâché. Need something hard, j'ai besoin de quelque chose de dur. Toujours aussi bizarre, chef, cette phrase. Ok, vas-y, prends le rocher. Voilà. Allez, tous ceux qui êtes sensibles, fermez les yeux. 3, 2, 1. Et on a fait qu'une bouchée de la banane. Quel repas délicieux. Je suis sûr que la banane s'en foutait. Oui, bah oui, c'est sûr, tu lui as coupé la tête. Mais tranquille, tout va bien. Malgré son attitude, elle avait vraiment un bon goût. J'espère bien. En plus, tu vas te plaindre. Il y a encore de la place dans l'estomac du lama. Oh non, 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 pas les fruits. Oh non. Barrez-vous les enfants fruits, s'il vous plaît. Regardez, mais regardez, ils sont là en train de camper. Ça pourrait être moi, avec mes potes, vous, avec vos amis, cet été en train de camper. Si vous voyez un lama cet été, fuyez. C'est le conseil que je peux vous donner. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Ces fruits devraient être assez pour remplir mon estomac. Allons dire bonjour aux fruits. Je suis pas sûr qu'on va leur dire que bonjour, mais bon. Salut les enfants, ça va ou quoi? Je suis le lama, je veux jouer avec... Mais partez pas! Les enfants de nos jours, c'est fou ça. Hein. Ok, on dirait qu'ils voudraient jouer à un petit jeu. Bon, je suis pas sûr que c'est un jeu auquel ils veulent jouer, mais bon. Allez, il faut trouver les fruits, c'est parti. Allez, on part en cache-cache. Les fruits! Ok, on y va. Alors. Attends, on va jeter la pierre, on en a pas besoin. Ah! Il est bien caché, lui. Ah oui, et donc ça, attends. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la revoir, c'est la vidéo que j'ai publiée hier, ok? Là, on voit derrière l'arbre qu'il y a un enfant. Mais c'est pas un des trois enfants qu'on doit chercher. Et du coup, je suppose que dans la suite du jeu, là, qu'on va voir tout à l'heure, je suppose que c'est nous, en fait. Et on était cachés derrière l'arbre. Vous allez comprendre juste après ce que je veux dire. J'ai vu quelqu'un écrire dans les commentaires hier ça, et je me suis dit, mais oui, en fait, t'as raison. Ok, donc là, il faut qu'on trouve les trucs pour déloger les fruits. Merde, je suis coincé. Attendez, ok. On va essayer de speedrun un petit peu. Ok, lui, il est là, il est dans la roche. Il pense qu'il est bien caché. S'il savait qu'il y avait leur... Oh bah, ils sont tous là, d'accord. C'est... Oh non. Besoin de quelque chose de chaud. Allumez le feu. Ok, allez. Coucou la poire. Est-ce qu'on se vend la poire aujourd'hui ou pas? Oui, j'ai le droit de faire les blagues deux fois dans la deux vidéos d'affilée de suite, j'ai le droit, voilà. Ok, parlez à la poire. Il fait chaud. Oh my god, t'aurais pu essayer de pas me brûler.
Bref, j'espère que tu aimes la poire brûlée. Parce que c'est tout ce que tu auras. Allez, manger la poire. Je m'en mets toujours pas. J'avoue que couper la tête de fruit comme ça, d'enfant fruit, ça me... Ça m'enchante pas. Ah, la voiture! Ok, la voiture, on va pas la casser. Parce que ah, je crois qu'il y a une autre fin aussi. Je sais pas si on aura le temps de la faire, mais je pense. Ok, on a la hache. Parfait. On va pour aller couper le tronc d'arbre. D'accord, bah nickel. Et là, on a le nid d'abeille. Alors, il était où? Merde, je me souviens plus. C'est... Attends, je crois que c'était en haut, non? Mais la musique, elle est si mignonne. Et le jeu, il est si horrible. C'est pas normal, ça, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais on est d'accord, cette musique elle ambiance un peu quand même. Genre, c'est pas le banger de l'année, mais t'as un peu envie de bouger les épaules, tu vois. Ok, il y a le mec là, là. Attends, mais c'est où le buisson d'en bas? Je deviens fou. C'est comment? Buisson. Ok, c'est là. Voilà, allez. On coupe le tronc. Pourquoi ça marche pas? Ah oui. Voilà, j'appuie sur ma touche. Salut Orange, ça va ou quoi? Waouh, je suis tombé de haut. Ah bah tu vas tomber encore plus haut là mon petit pote. Tu savais que l'orange est pleine d'énergie. Oui on le sait, t'inquiète. Prends mon énergie la prochaine fois. Tu pourras peut-être monter dans l'arbre comme moi. Allez ça marche. Alors on a le nid d'abeille. Voilà. On n'a plus qu'à trouver le... Je crois que c'est là-bas non? Ah non c'est là-bas. Ok on n'a plus qu'à aller trouver. Voilà. Coucou. Jeter le nid d'abeille. Salut la pomme, ça va ou quoi? Alors... les abeilles m'ont piqué partout. On dirait que je devrais faire attention. Oui, c'est vrai, il fait ses blagues de merde. Prends ma pomme, tu la mérites. Allez, voilà. Ouh, ok, ça c'est fait, on a mangé tous les fruits. Quelle belle journée. Allons jouer avec nos amis. Jouer avec nos amis, manger des fruits, on s'est vraiment beaucoup amusé. Aujourd'hui était une merveilleuse journée, n'est-ce pas, Lama? Qu'est-ce qui se passe? Lama? Non, on va pas retourner dans le vrai jeu. Oh non, les gars, ça recommence. Les gars, ça recommence. Ok, donc là, on a la map. Donc là, c'est le moment où on va pouvoir voir la fin secrète. Il faut qu'on aille au feu de camp. Si on le trouve. Voilà, il est là-bas. Donc on va retourner au feu de camp tranquillement. Oh, ça me terrifie. Hein. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris ce que je disais tout à l'heure avec le parallèle, le petit qui était derrière l'arbre, je pense que c'est nous. Puisque là, bah, les trois ont disparu. Hein. Je vous spoil pas, évidemment. Vous allez voir ce qui va se passer. Ok, où sont-ils tous partis? Il faut que je trouve Moshi. Moshi! Ok, c'est pas par là. À chaque fois, je me trompe. Attends, peut-être par là. Moshi? Moshi, il est là ou pas? Et du coup, je pense que l'enfant qui était derrière l'arbre, c'est nous. Et c'est pour ça qu'on n'est pas... encore vivant, on va dire. Moshi? Oh non, mais ça, oh, ça me rend ouf. Mais moi, je suis team chien en plus, vous savez. Je peux pas te revive mon Moshi? Il a pas l'air en bonne forme hein. Ça va petit chien? Moshi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Moshi? Pauvre fille. Ok, j'espère que c'est pas le lama hein. Faut qu'on trouve nos trois amis, c'est parti. Une fois qu'on aura trouvé les trois amis, c'est là où on va avoir la fin secrète. Préparez-vous pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Parce que ça va être quelque chose. Ok. J'irai par là. Oh, ça fait bader quand on entend le lama qui nous course, j'aime pas du tout. Attends, j'entends. J'entends un bruit. Ok, donc là c'est là où on a mis les abeilles. Oh, c'est horrible. I'm going to be sick. Oh, vas-y, on se barre. Barre-toi. Ok, cours. Barre-toi, s'il te plaît. Ok, faut absolument qu'on aille. Oula. Attends, on va essayer d'aller là. Là, je pense qu'il y en a un qu'on n'a pas vu. C'est quoi ce bruit ambiant de fou, là? Regardons-le! Vous l'avez vu ou pas, le lama? Il était là? Vous l'avez vu ou pas, les gars? Non, c'est une dinguerie, par contre. Attends, mais je suis où, là? Regardez, le lama, il est là! Ah, c'est la voiture qu'on entend? Ah, ok. Donc là, il y a le feu de camp. Voilà. Enfin, c'est pas le feu de camp, mais c'est là où on a allumé le buisson tout à l'heure, malheureusement. C'était la poire. Là, ils sont plus du tout la poire. Ça va, mon ref? Aïe. Ok, les gars, ça y est, je l'ai trouvé, regardez. Il y a la grotte. Il y a la grotte du lama, on pourra rentrer dans son habitat naturel.
jure. Ok, c'est la cave qui est maudite. Ok, on sera plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oula, oula, attends, attends, pourquoi il y a des crânes partout là? Mec, c'est là où le lama il dort, non? Attends, mais c'est la grotte du début du coup. Ok, donc les fruits c'est bien des crânes d'enfants. Mais c'est abominable. Oh non, mon dieu. Les gars, c'est horrible, hein. On peut interagir avec des trucs ou pas? C'est quoi ça? Oh, attends. Regardez, regardez, il y a des dessins. Seulement les fruits. Attends, il y a écrit quoi? Le lama, which means only... ok, donc le lama mange que des fruits, d'accord? Et ça, aujourd'hui c'est une surprise, le lama, c'est l'anniversaire du lama. Sa maman et son papa lui ont fait un délicieux gâteau aux fruits. Merci maman, merci papa, quelle belle surprise. Je ne savais pas que vous aimiez tous les deux les gâteaux. Non, on me dit pas que ses parents c'était aussi des meurtriers. Et là, il y a un livre. Le lama a faim. Ok, on lit le livre. Ok, un livre pour enfants. Je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop. Ok, ce livre appartient à... au monstre? Non, me dis pas que le lama, il a mangé ses parents. C'est une nouvelle journée. Tout le monde se réveille. Le lama voit le soleil et se réveille en bâillant. Une journée comme d'habitude, c'est un jeune animal qui se réveille. Ok. L'estomac du lama commence à grogner. Le lama a faim. Il veut de la nourriture fraîche. Oh, dear me, that's the sign to go. Ok, le lama dit donc c'est le moment de se réveiller et d'aller prendre son petit déjeuner. Ok. Oula. Le lama quitte la maison, d'accord. Whistling as he walks, thinking of the adventure to his meal. Ok, donc là il est en train de penser à ses aventures pour aller trouver à manger. Ok, et là c'est quoi? Oh, rude lama says, des fruits délicieux. Ok, donc là il est parti de chez lui, il est allé manger des fruits. Zayar fruit. Donc on dirait qu'il se persuade dans sa tête que c'est des fruits alors que c'est des enfants. Attends, mais ça fait bader. Oula. C'est quoi ça? Docteur Bronze expose as fraud. Attends, quoi? Lama walks back home. Donc le lama rentre à la maison avec son ventre bien plein. Il rentre à la maison. Quand la lune, quand c'est la lune, enfin la lune est là quoi, il entre dans la maison avec un grand sourire sur son visage. Attends, et qu'est-ce que c'est ça? Docteur Bronze expose. Docteur Bronze, ok, un mec qui est connu pour ses études sur les espèces génétiques. Il a fusionné. Attends, quoi? Le 15 avril, Docteur Bronze reveal. Il est devenu un humain animal. Attends, me dis pas que c'est lui le lama. Non. Il a donc réussi à mettre l'ADN d'animaux et de les mettre dans le corps humain. What the fuck? Attends. C'était tout de ta faute. I did not want any more. After... Attends, quoi? Ah, donc le lama? Non. Ok, attends. C'était ta faute. Je ne voulais pas le faire. Après une grande journée et un moment de fun, le lama retourne au lit et dort. Ok, quelle belle journée, c'est la fin. J'ai encore faim. Quoi? Close. Ah, c'est la dernière page du livre? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, du coup, c'est soit lui. Ça veut dire qu'il a dû mettre des gènes humains dans le lama, peut-être. Est-ce que j'ai bien compris? Oh, de... ah! Purée, le lama, il m'attendait! Mais non! Oh, la fin, elle était incroyable! Ah! J'ai lu tout ce qu'il y a écrit ici, et si j'ai bien compris, en fait... donc le docteur Eric, donc c'était le père du lama, donc avec sa femme, et en fait lui il a donc fait des expériences en fait sur son fils, et bah un matin le fils s'est réveillé et il a tué ses deux parents, donc il leur a coupé la tête, et donc c'est son fils qui est mi-lama mi-humain, c'est horrible.